Il y en a une qui part un peu près au milieu de la route qui est pas mal. Ici on chevale entre les deux, donc on va le mettre. Les comptages aux chiens d'arrêt organisés dans le cadre de l'Observatoire des galliformes de montagne ont pour objectif principal d'estimer le succès annuel de la reproduction des espèces. Les comptages nécessitent des conducteurs de chiens appliqués, rigoureux et connaissant bien les espèces recherchées. J'accepte d'être référencé dans la liste des conducteurs habilités pour les comptages organisés dans le cadre de l'Observatoire des galliformes de montagne et je prends acte que le non-respect de ces engagements pourra entraîner ma radiation définitive de cette liste. On est ici, là. Ouais, on est juste là. Mmh. On est juste là. On fait ça ? Très bien. Et ensemble, on restera sur celui-là. Avec là. Bon, on a deux méthodes de comptage pour évaluer les populations de grands tétras. Au printemps, sur place de champ, on compte les oiseaux sur des arènes où les oiseaux viennent de se reproduire. Donc là, on a surtout l'effectif nicheur, coq et poule, chaque année sur des places de référence. Et puis ensuite, on évalue la réussite de la reproduction chaque année en été aux chiens d'arrêt, alors que ce soit pratiquement pour tous les galliformes de montagne, en utilisant des chiens, donc que ce soit pour la prairie grise, le grand tétra ou le lagopède. Ça fait quelques clairs, et quand vous arrivez au chemin, vous tirez à gauche et on se retrouve. Il faut surveiller parce qu'ici une poule, il y aura peut-être des jeunes au sol. Il peut y avoir des jeunes, ça peut être une poule. Il est parti à une hauteur. Regarde si tu vois pas les indices, tu sais, plume ou quelque chose comme ça. C'est pas faute. Donc on va noter un adulte indéterminé. Hein. Grand tétra non identifié. Ça, on va prendre le point GPS. Là, le chien travaille bien, là on est sur des milieux hyper favorables, hein, des milieux qui sont à la fois ouverts et où il y a quelques pins, quelques sapins. Et souvent les poules profitent de ces zones enherbées là, pour emmener les jeunes. En fait à cette période ils sont à la recherche de nourriture carnée, donc beaucoup d'insectes pour des apports de protéines et qui sont importants et nécessaires pour la croissance des jeunes. Et donc là on est vraiment dans des milieux hyper favorables et c'est dans ces milieux-là qu'on recherche les nichés. Allez Kira. Ça a été aménagé l'automne dernier en fait, hein. Justement après la période de reproduction des grands tétras pour éviter de les perturber en période de reproduction et d'élevage des jeunes. Donc une fois que les jeunes étaient bien volants, début d'automne, on avait marqué le chantier pendant l'été. Il y a une cinquantaine de placettes qui ont été aménagées, qui ont été girobroyées manuellement, hein, avec des débroussailleuses à main, par une entreprise là, de Cerdagne. Et toutes les placettes font à peu près entre 13 et 15 mètres de diamètre et elles sont toutes reliées les unes aux autres par des layons qui font 3 mètres de large. Et là on voit que ben, ne serait-ce qu'au bout d'un an, la myrtille réapparaît. Hein. Alors bien sûr, il n'y a pas encore de fruits, mais on sent qu'il y a une régénérescence qui se fait
Donc les myrtillers étaient bien présents, mais étouffés par le rhododendron. Ici, sur Portée, c'est le premier des trois chantiers qui ont été financés dans le cadre du projet Galipus, donc qui ont été financés par l'État, dans le cadre d'un appel à projet national pour la stratégie nationale pour la biodiversité. C'est financé à 80%, donc avec 20% d'autofinancement par la fédération et donc par les chasseurs. Et là, on voit là les réalisations concrètes des financements obtenus dans le cadre de ces appels à projets. Ma grand-mère était paysanne et nous venions souvent, une fois par an, cueillir des myrtilles, des framboises dans un lieu dit les Coumps, qui sont à peu près à 2 heures de marche. Aller autant retour pour aller faire un panier de framboises qui éventuellement pouvait être vendu dans les restaurants à la Tour de Carole, en particulier à l'hôtel de la gare là-bas, et le milieu était complètement différent. Dès que nous arrivions sur ce secteur là où on ramassait un panier de framboises, effectivement sans chien, rien qu'en marchant naturellement, sans faire énormément de bruit, le coq à chaque sortie se levait. Moi j'étais jeune, ça a effrayé ma grand-mère, moi également et ses amis. Oui. Mais c'était une place systématique. Des années entières, nous avons toujours relevé, et encore actuellement, il n'y a pas très longtemps, j'ai quand même tué un coq il y a 5, 6 ou 7 ans. Hein. Oui, c'est un coq adulte, sûrement. On voit la partie blanche ici, le diamètre de la crotte, et la crotte entière était comme ça, sûrement. Donc, facilement reconnaissable, hein. Celle d'une poule, en diamètre, c'est moitié moins. Ça. Ce sont des crottes d'hiver, et donc les arbres qu'on a autour, là, ça fait un reposoir avec des perchoirs d'hiver, hein. Sûrement que les oiseaux viennent hiverner sur ces secteurs-là. Ouais, je l'ai vu, ouais. Mais après, un GPS, tu l'auras bien précis comme ça. C'est pareil, je les ai pris en GPS, ce qu'on a vu, mais à peu près. La coulée, là, je dirais qu'elle est à peu près là. La localisation. On est à 3 coqs, 2 poules, 100 jeunes, un indéterminé, mais un adulte indéterminé pour nous, hein, c'est sûr, le premier c'était un adulte. Ça fait pas grand chose, hein. Après, on verra ailleurs, mais ça fait pas grand chose. Après, c'était le rythme un peu cette année, hein. On ne s'attendait pas, enfin du moins on ne s'attendait pas à avoir une bonne reproduction. Hein. Avec les coups d'eau qu'il y a eu il y a un mois de ça en arrière, là, 3 semaines, un mois en arrière, presque 15 jours d'eau répétée tous les jours. C'est sûr qu'au niveau galiforme, on ne s'attend pas à avoir de bonne reproduction ni à avoir des miracles. Hein.